Sub signo veneris. Commençons par le plus décent. De l'entourage de Mallarmé, trois jeunes filles particulièrement proches, Julie Manet, la fille de Berthe Morisot, et ses deux cousines, dont l'une allait devenir l'épouse de Paul Valéry, s'étaient inquiétées un jour près du maître. Elle l'avait gentiment taquiné. « Mais vous ne faites quasiment pas de place aux femmes dans votre poésie, maître. » À quoi Mallarmé avait répondu en imaginant souriant, « Les femmes, mais on ne pense qu'à elles, on n'a qu'elles en tête, c'est notre seul souci, les femmes. » Alors, on va pouvoir juger dans les deux sonnets amoureux quelle place Mallarmé fait aux femmes. Dire sonnet amoureux, c'est presque un euphémisme. Et puis, la deuxième raison de ce soupe-signo, c'est que lorsque Mallarmé faisait paraître ses poèmes, il y avait bien sûr ses fans, ceux qui étaient fascinés, ceux qui l'adoraient, mais bien plus nombreux, ceux qui s'inquiétaient, qui lui reprochaient carrément. Mais enfin, on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire? D'où vient cette obscurité? Il y en avait un qui disait « Je suis docteur en droit, licencié en lettres, et je ne comprends pas un mot de cette poésie. » Et Mallarmé se débarrassait des questionneurs trop insistants, parfois d'un mot. « Ce poème, c'est ma commode. » Il aurait même dit une fois, c'est Valéry qui le rapporte en s'en offusquant, « Ce poème, c'est mon bidet. » Mallarmé pouvait très bien faire ce genre de réponse. Voici un premier poème. Qu'elle soit au baume du temps, où la chimère s'exténue, vaut la torse et native nue, que hors de ton miroir tu tends. Les trous de drapeaux méditants s'exaltent dans notre avenue. Moi, j'ai ta chevelure nue pour enfouir mes yeux contents. Non, ma bouche ne sera sûre de rien goûter à sa morsure s'il ne fait ton prince hiérament dans la considérable touffe expirer comme un diamant le cri des gloires qu'il étouffe. Le cri des gloires qu'il étouffe. Cela semble assez clair. Et dans ce registre, à une autre personne qui aurait, avec beaucoup d'insistance, interrogé Mallarmé sur le sens d'un de ses poèmes, il aurait répondu ceci, qui est assez ravissant. « Cherchez bien, vous trouverez une pornographie. Ce sera votre récompense. » Voici le deuxième sonnet « Sub signo veneris » de Stéphane Mallarmé. M'introduire dans ton histoire, c'est en héros effarouché. S'il a du talon nu touché quelques gazons de territoire, à des glaciers attentatoires, je ne sais le naïf péché que tu n'auras pas empêché de rire très haut sa victoire. Dis, si je ne suis pas joyeux, tonnerre et rubis au moyeu, de voir en l'air que ce feu troue avec des royaumes épars, comme mourir pour la roue du seul d'espéral de mes chars. Tonnerre, rubis au moyeu, joyeux, l'air que ce feu troue avec des royaumes épars. C'est certainement une façon extrêmement distanciée de dire ce que l'humain a de plus fusionnel.